Et nous sommes là. Bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, j'ai en ma compagnie Nunu, avec qui nous allons commenter le match et qui va vous commenter une partie tout seul parce que il va falloir que je joue une partie. Donc je m'excuse d'avance. Une partie du match sera en POV. Désolé. Alors attendez, comment on se connecte déjà là-dessus? Mania Link. Ouais, c'est ça. Il faut que je trouve. Moi, j'utilise jamais ça. Mot de passe. Je suis pas sur la caméra du jeu. Non, ça va. Ça aurait été dommage. J'aime beaucoup leur mot de passe. Je vais connecter en spec pour l'instant. Ok. Nous y sommes. Alléluia. Merde, j'ai écrit en team. Terrible. Est-ce que les niveaux du son sont bons? Est-ce que tout va bien? Merveilleuse musique de Trackmania, donc je pense que tout va bien. Oui, obligé. Pourquoi il y a Skydir qui vient? Skydir, hein, bien sûr, qui ne joue pas et qui n'est pas caster. C'est une question que je me pose d'un coup. Donc c'est le premier match de l'équipe Cyborg aujourd'hui. Bienvenue à tous, hein. Bienvenue Melo, bienvenue Fiern, Skydir et Rocket, bienvenue. C'est le premier match de la team Cyborg depuis 3 ans. Ce n'est pas une blague. Nous sommes tout à fait sérieux là-dessus. Ça fait 3 ans qu'on n'avait pas roulé. C'est ça. Et donc ce premier match opposera donc Cyborg à la team Q. Q, hein, une vieille team aussi, une vieille équipe qui s'est reformée si je dis pas n'importe quoi. Ouais, donc vous êtes à peu près dans les mêmes. C'est à peu près la même ambiance, oui. Q, ça s'est un peu formé différemment que nous, mais dans l'idée c'est ça. C'est-à-dire que c'est une équipe qui n'est pas toute récente non plus. Donc nous commençons par le 1v1 sur la première map qui sera Koulfs. Koulfs. Voilà. Oh, alors, tu sais, coup, c'est une équipe internationale, ça? Oui, c'est une équipe internationale. On a du néerlandais, voilà. Du portugais, on a du monde. Et bon, évidemment. Si on regarde un peu les profils des joueurs, on voit qu'effectivement, c'est une équipe internationale. Une équipe qui se compose aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, en termes de joueurs, de Gom, Yem, Silky, je crois, Silky ou Kilky, je sais jamais comment on le dit, et Natik. Et t'as des infos sur les joueurs, leur niveau, tout ça, pas du tout? Ça joue bien. Ouais. Du coup, ça a toujours joué bien. D'accord. Après, je ne sais plus, je saurais pas te dire si 1-0 KO. Je saurais pas te dire si c'est que des joueurs de l'ancienne équipe. Il y en a que je reconnais un petit peu. J'ai pas beaucoup vu les Q jouer, je te cacherai pas. Comme ça, on est deux. Parce qu'on s'est pas beaucoup croisé sur le circuit avec Cyborg. Parce qu'au départ, je crois qu'ils étaient dans les ligues au-dessus de nous. Ah, d'accord. Donc on s'est pas beaucoup vu. Forcément.
on ne s'est pas beaucoup vu pour ça. Et du coup, forcément, je crois que c'est une des premières fois où, même si c'est peut-être même pas la première fois que Cyborg affronte Q. Du moins dans le truc à peu près officiel, quoi. Oui. Ok. Donc on va commencer par le 1v1. Qui opposera... je sais pas qui... On va attendre de savoir qui va jouer du côté Q. Moi je sais déjà qui va jouer de notre côté. Encore heureux. Ah, on s'est dit que... On s'est dit qu'on allait changer certaines choses. Hein. C'est Q2, la team, plus quelques nouveaux. D'accord. Et donc c'est parti, première partie de match. Le 1v1. C'est quelle lignée ? Je pense que c'est warm-up actuellement. Ouais, donc du coup côté Cyborg, ou alors c'est warm-up, mais là si c'est pas warm-up, il y a c'est un 2v1 si c'est pas warm-up. À l'aide. Après, est-ce que Hera a besoin des autres? On ne sait pas. Ouais, ça a l'air d'être... Je pense que c'est un encore warm-up puisque tout le monde n'était pas encore présent. Effectivement, le 1v1 opposera Hera de notre côté à probablement soit Natix, soit Kilki, de ce que je vois en aligné. Visiblement, on a encore des petits problèmes de setup sur le serveur à régler. Au niveau du fonctionnement des règles. Si ça foire, ce sera de leur faute de toute façon. Évidemment, évidemment. Car nous nous sommes délestés du problème de serveur. Et sinon, donc du coup, le système de points. Alors, le système de points. Le système de points, alors en 1v1, le premier arrive, le premier marque le point. Mm-hmm. Chaque partie du match, c'est-à-dire le 1v1, le 3v3, le 4v4, sont au total de 7 rounds pour gagner. Ok. Et un point gold si jamais il y a égalité au bout du 4v4. Ok, donc du coup c'est Silky qui est aligné en face d'Aera. Exactement, et nous sommes partis pour le premier round du 1v1. Aera qui prend la tête avec Kiki. C'est un warm-up, by the way, il y aura un deuxième warm-up après. Je viens de le constater. D'accord. Ils viennent de se focaliser, de se préparer deux warm-up. Et ce sera live. Je pense qu'ils vérifient que tout fonctionne correctement avec les warm-up. Et oui, ensuite, selon... alors, en 1v1, il n'y a pas trop d'importance en termes de points sur qui arrive, oui, puisque de toute façon, c'est le premier qui arrive qui gagne. C'est soit premier, soit dernier. En 3v3, il est très important d'arriver groupé. Mm-hmm. Car plus tu arrives groupé dans le haut du classement, et plus tu vas faire en sorte que la victoire te revienne sur le round. Bah, c'est une histoire de majorité, quoi. Exactement. Ok. Car je crois que le premier marque 6 points, le deuxième 5, 4, etc. jusqu'à 1. Ouais, dégressif. Et donc là, nous sommes live. C'est parti pour le premier round du coup. Ça y est. Ça y est. Ce coup-ci, on y est. Hera, hein, qui a un très bon temps sur cette map, qui est en 50.9, si je ne me trompe pas. Et je ne peux pas changer de caméra. Quel plaisir. Joie. Merci. C'est bon. Donc, ouais. Si on s'en fie aux locaux, Kilki serait sur un 51.16, ce qui est un très bon temps déjà. Pour l'instant, c'est Hera qui domine ce premier round. Ouh, le passage, attention, interpoteau qui passe. Hera qui prend la tête. Il prend très large sur cette courbe. Peut-être qu'il préfère être large et puis safe, quoi. Il a pris un virage très serré sur cette fin, mais ça passe. Et on démarre tout de suite sur un 51-17. C'est... Ça va. C'est ok. C'est honnête. C'est-à-dire que... C'est ok tiers. Ah, franchement, ça va. C'est-à-dire que quand je vais rouler, moi, je vais avoir plus 4 sur ce temps. Voilà. Ah, ça va être un poil plus dégueulasse. Hein. Ah, moi, je suis vieux, rouillé et c'est compliqué. Nous sommes partis pour le deuxième round de ce match. C'est Kilki qui prend la tête au niveau du CP2 avec une meilleure vitesse en sortie, mais Hera le talonne. Hera qui tente l'inter et qui prend l'avantage. C'est très serré sur le début de map. Le début de map est extrêmement déterminant sur la suite.
C'est-à-dire que là on vient de dépasser le moment critique de la map en gros. Puis là, Hera commence à prendre son envol, c'est pas le moment de foirer un virage, de se manger un petit KFC sur le bord de la route. C'est ça. Faut bien se dire qu'en fait, à partir du moment où on a quitté le virage sur le bleu et le grand 180 droit, on a globalement passé la partie 1 de la map, qui est sans doute une des plus déterminantes, puisque si tu la rates, tu as quasiment certitude. Comment ? Tu as quasiment certitude de finir en retard. Dans le fond. Ok. En fait, plus tu as un bon start, plus tu vas avoir une fin solide. Tu peux rater ta fin, mais pas ton start sur cette map. Et encore, quand je dis rater, on se comprend, être plus safe sur la fin que sur le start. Oui. Kilki qui a évité une traînée, il a été sur la border et il a pris les doubles traces. Il l'a immédiatement avoid pour pouvoir repartir en drift. Hera qui s'est bien lancé, il est parti devant. Attention à le virage large. On tape souvent le poteau extérieur. Kiki avec un bon inter. Il a plutôt bien léché le poteau. Hein. Faut le dire. Ce virage très difficile et Hera qui choke. Ce qui fera un point pour Q qui fera 2-1. Un 6, c'est solide, ça se tient. Hera qui joue à la tortue. Et je constate que les points ne fonctionnent pas sur le serveur. C'est donc pour ça qu'ils écrivent dans le chat. Très bien, c'est noté. Et nous sommes donc à 2-1. Sur le start, en fait, ce qui est très difficile, c'est qu'en fait, au niveau du trou, au début, on est très proche de la bordure, et la bordure a tendance à nous faire démarrer une traînée. Et ouais, la traînée nous empêche de partir en drift sur le virage dans ce qui suit, donc il faut agir extrêmement vite. Hera qui a pris un risque en voulant cet inter, il a essayé de safe avec un petit coup de frein, et c'est qu'il qui touche l'intérieur du virage. Virage extrêmement chaotique ici, hein, il y a... C'est très très facile de choke. Il a été un peu trop greedy, il a plus sniffé, et puis, ça n'a pas brassé. Ça fera 3-1 pour Cyborg. Bon. Pour l'instant, il y a une tendance qui se fait. On va voir si ça se produit sur l'autre. Hera, hein, joueur très solide. Oui, non mais... Il avait roulé Alien. Il avait roulé sur 0.2, 0.3 en moyenne sur le seeding, ce qui est extrêmement solide. Du coup, il est à peu près dans la même dynamique. Il est solide sur son... Ah, quelqu'un qui choke au start. Sur sa récurrence. Puis Hera qui prend son envol, forcément. Hera qui est devant. Il ne lâche pas. Mais bon. Ah, c'est le but, hein, parce qu'il sait que si jamais il y a un choke, il peut revenir. Évidemment. Ça a failli arriver car Hera était extrêmement large sur sa sortie de virage. Petite question à la con, c'est 0 points quand t'arrives deuxième en 1v1. Oui. Enfin, okay. Même si c'est pas 0, ça change rien. Non mais ça aurait pu... Kiki qui revient beaucoup, hein. Hera a joué la carte du run très safe. C'est lucide, il faut faire juste attention à pas trop se faire revenir non plus. Oui. Mais c'est un bon. C'est un montant. 51-4, c'est plutôt correct. Hein. C'est dans la continuité. C'est un très bon temps. Moi, je serais très content si j'arrivais à rouler ça tout à l'heure. Donc, tu seras très content si tu fais sous la barre des 1 minute, bien évidemment. N'exagérons rien non plus. Et donc, 4-1 pour Cyborg sur le 1v1. Rien n'est joué, hein, parce que c'est ça. En fait, c'est ça qui est très différent, par exemple, du format ESL. C'est que sur les ESL, comme les points n'étaient pas en fonction des rounds, mais en fonction des matchs gagnés, le résultat était très différent. Je m'explique. En gros, sur les ESL, le 1v1 valait 1, le 2v2 valait 2, le valait 1, et ainsi de suite. Et je crois que le 5v5 valait 2, ou un truc comme ça. D'accord, ouais, il y avait par groupement, quoi. C'est ça, en gros c'est groupé. Alors qu'ici c'est le cumul de tous les rounds qui détermine le score final.
Ça va beaucoup se jouer sur la fin. Rak a un tout petit peu plus de speed et un meilleur inter. Oh, c'est beau, oui, c'est un très bon. Beau run. C'est un très très beau run. 277 et 285. Ça roule bien. Voilà pour notre argent qu'on n'a pas dépensé, bien évidemment. Mmh. Ça roule très très bien. Ça qui est beau. Solide. Ce qui nous donne 5-1 pour Cyborg. Donc c'est pour ça que finalement, je te disais que effectivement rien n'est joué tant que le match n'est pas terminé. À moins d'avoir évidemment un énorme choke sur deux parties du match. Car en gros, part du principe qu'effectivement, si tu perds genre 7-1, 7-2, bah tu as déjà perdu le match avant même de jouer le 4v4. C'est compliqué de rattraper. Mais voilà. Du coup, rien n'est joué encore sur une première partie. Il faut voir la suite. C'est encore Hera qui est en tête ici. Kilki qui s'accroche bien. Attention, le 180 est très déterminant ici. Hein. Il faut savoir qu'on est, sujet à perdre, à une perte énorme de vitesse sur ce virage. Finish extrêmement étrange également. Mais mine de rien, il grattait. Hein. Plus ça allait, plus rapproché. Hein. Et ça fait 51-3 et 51-5. C'est extrêmement propre. Hein. Ça roule très propre. Hein. C'est vraiment très joli à voir. Et donc nous sommes potentiellement dans le dernier round s'il y aura le rentre. 6-1. Qui s'élance et ils prennent. Ah, il choke. Aïe aïe. Alors là, Hera va jouer safe, il l'a vu, il voit le retard, point 6. Il y a très peu de chances, voire aucune, que Kilki puisse revenir là-dessus. Un choke au start, c'est extrêmement déterminant. Ouais, il joue safe, pas vraiment, hein. Il attaque quand même un petit peu. Hein. Ah, Hera, oui, il a un style de jeu qui le laisse jamais trop dans les runs faciles, mais c'est vrai que là Kilki attaque énormément et du coup il a remonté point 4 quand même, hein. Là on est à seulement point 5 d'écart, c'est assez peu finalement, mais ce sera remporté par Cyborg. Okay. Et du coup faut que je me casse, bonne soirée à tous. Ça y est, c'est déjà l'heure. Aïe 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 aïe. Bon écoutez, je vous retrouve après le 3v3, hein. Salut. Ouais mais c'est pas grave, je joue, on verra par la suite. Ça compte pas encore? Ok, c'est le warm-up là. Ouais non, dans le doute, je joue, puis tant pis. En fait, t'as pas dû setup la bonne sortie son sur Discord. Blablabla. Blablabla. Bla, bla.
En vrai, oui. À toutes. Bon. Nous voilà officiellement aux commandes du stream. Donc du coup, il y a apparemment deux warm-up. Ça souffle vénère. Dernier le warm-up. Donc voilà, ça va pouvoir être lancé enfin. Qui vient de choke, magique. Natix qui garde une tête agréable en tout cas. Derrière, il y a juste Bex qui le suit de très très près. Et derrière, Dire et enfin Yem. Avec des scores plutôt ok tiers, clairement. Qui mine de rien tient quand même, mine de rien, malgré qu'il soit pas autant train que d'autres. Quelques chocs par-ci par-là, des gens qui... C'est l'île de la tentation, il en restera plus qu'un à la fin. En tout cas Bex qui semble plutôt rigueur. Nous avons Yem qui est
lors de la partie précédente qui était dernier et maintenant qui est premier. J'ai dû faire un choke que je n'ai pas pu voir. Légère tendance qui se fait pour les cyborgs. Grosse tendance pour les cyborgs en tout cas. Coaster qui a réussi à terminer avant les Q. Ce qui veut tout dire. Hop là, et ça repart. Donc actuellement, on est en. Qui semble être un petit peu ok, donc c'est 2-1 dans tout cas, vraiment 2 pour les Q, 1 pour les cyborgs. Le niveau a l'air de disparaître chez les Q, de ce qu'on peut voir. Nous sommes à 2-2. Pour une légère ascendance. Suivi de très très près par Yem et Latik. Latik qui repasse toujours. Ah. Ça se joue très serré là pour le coup. Et le point sera pour les Q. Coco a un start pas trop dégueulasse, mais c'est sur la suite. Il plante un petit peu, il prend beaucoup trop large a priori. Pourquoi je dis ça, je ne m'y connais pas du tout, je suis un gars au pif. Et là mine de rien il tient bien. Prochain CP, voilà, Coaster qui est en tête, celui de Bex, celui de Netflix. Coaster qui prend son envol. C'est ça qui est beau, c'est ça qu'on fait. Donc voilà, un petit point pour les cyborgs. Ça se joue un petit peu au ping-pong là.
Mais en fait, il nous a menti, il s'étreigne comme pas possible en fait. Pour les cyborgs, cyborgs qui semblent être beaucoup plus, comment dire, réguliers dans leur temps. Oula, oui, j'ai oublié ce terme de champomie. Tellement longtemps. Bex qui semble être très très solide hein, depuis le début et toujours dans soit premier soit deuxième. Pierre qui semble être dans le fond du panier, il a du choke, je n'ai pas pu voir. En fait, les Q commencent à être à parsemer de bleu les trois premières places pour les débuts du checkpoint, et puis après ça commence à s'équilibrer, notamment Bex qui remonte à fil et Coaster qui vient de se choke. Chose qui arrive malheureusement. On a vu quelqu'un d'autre. Ok, deuxième. Oula! Ah oui, d'accord, c'est la safe trap pour Goom. Coaster qui a pris la safe trap. Nous sommes à 3 pour 6 en faveur des cyborgs. Charge qui suit de Bex qui reprend. Ça se joue un peu au pont entre Bex et Latique. C'est agréable. Malheureusement, c'est Yem qui choque encore, qui laisse la place au cyborg. Du coup, le point est au pro cyborg à nouveau. GG. Attends. Pour quelqu'un qui traîne, qui a pas ultra train, plutôt solide hein. Ah putain, ah. J'ai mal au bras. La tension de mes couilles sont dans mes bras. J'ai mal au bras mais t'as même pas idée. Non mais t'es plutôt propre hein, mine de rien. Ah, il y a eu des runs, c'était horrible, il y en a eu 2-3, ça va mais...
Ouais. En vrai, sur une bonne moyenne, t'as été correct. Oh, j'étais un peu quand même 51A et c'était moyen. Ouais, mais les moments où t'as choqué, entre guillemets, ou complètement même, t'étais clairement pas le seul à avoir choqué, hein. Notamment, Oui, j'ai vu en des. fait, c'est ça qui me sauve en fait. C'est ça qui me sauve sur ma performance, c'est qu'effectivement, j'ai parié sur le choke des autres. Mais, de toute façon, il le faut. Parce que là, par exemple, tu vois, je prends l'exemple de Yem, je crois que c'est ça son pseudo, de Ah, chez ça. IQ, là. Oui, IM. Qui, des fois, était en premier, des fois, était en dernier. Enfin, la rigueur était pas là. Toi, au moins, dans ta moyenne, t'étais moyen, mais tu restais dans ta moyenne. C'est ça Bah qui est là, beau. je te cache pas que c'est le premier match que je rejoue depuis 3 ans, donc Longtemps. ça se sent. Non, mais c'est plutôt propre. Ça se sent. Par contre, Natic en face, plutôt solide, hein. Natic, un très très bon joueur. Clairement. Très Je très voyais qu'il solide. jouait un peu au ping-pong avec Bex sur certains runs là. Natic, c'est un des plus forts, je pense, de leur équipe actuellement. De l'équipe B, hein, si j'ai bien suivi. Il me semble, oui. Ah, bon, alors j'espère que tu as bien commenté ce match. Pas énormément, je t'avouerai. Disons que je relevais les évidences, ce qui est déjà bien. C'est un début. Du moment que tu as occupé les gens, ça me va. Ah, oh, je sais pas, ils diront ça, mais. Oui, bon, Melo, t'es pas très très objectif. C'est ça. Alors du coup, cette dernière map, ce sera le 4v4. Donc on a gagné combien? J'ai même pas vu. 7-5? 7. Non, attends, moins que 7-4? ça pour. Ouais, 7-4, je crois, de mémoire. Je t'avoue que je sais plus, j'ai pas suivi énormément. J'ai pas le chat à l'aide. Je sais pas. Bah en tout cas, il y avait pas le, enfin c'était pas marqué dans le chat, hein. C'était marqué seulement, Non, enfin effectivement, sur Scoreboard. le ranking marchait ce coup-ci. Ouais, il me semble de mémoire, alors il y avait un 6-3, non 7-3, je crois. 7-3. Ouais, Ce qui fait 7-1, 7-3. 7-3, c'est ça. C'est ça. Bah, ce qui fait que le match est déjà gagné en fait. Aïe 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 aïe. Je crois, hein, sauf erreur de ma part. Là, ils peuvent marquer que 7 points sur le prochain. Donc ça fait 4 Et donc plus du coup c'est 7, qui est ça aligné fait... là, quand même? Alors, de notre côté, je vais te dire ça parce que j'ai mes Mani, fiches. Bex, Kyo, Mantos et Caresse. Attends, attends. Attends, qui c'est Caresse? Caresse. Toi, t'as lu Caresse, t'es sûr de toi? Bah en fait c'est pas marqué Cyborg derrière, c'est marqué Black Will. Ah non, mais lui, c'est pas de notre équipe. Hein. D'accord, je me disais aussi. Mais alors du coup il manque quelqu'un, non? Non, bah non, ils sont 4 déjà là. Ah non, c'est 4v4, oui, pardon, autant pour moi. Ils sont 4 Donc du et coup. je vais te donner les joueurs qui vont rouler si mon Google Sheet veut bien charger. Ou pas. Les joueurs qui vont jouer sur Breach, qui est la dernière map de ce match, une map extrêmement acrobatique Ah oui, avec tu des n'aimes pas les virages. masses. Ah, moi, c'est pas mon style de map, c'est sûr, mais après, je respecte. Mais c'est pas du tout mon style. Et cette map sera jouée par Keo, Mantos, Mania et Bex. D'accord. Pour nous. Et en face, donc a priori, ce sera IM. Si on en croit ce qu'il y a là, bah là, c'est difficile parce qu'ils sont 5. Ouais. Peut-être qu'il. Voilà, peut-être. On va Il attendre la va fin peut-être se des. montrer qu'il se présente. Voilà, là, on est Ah. parti. Et Voilà. ce sera Svanen. Svanen, c'est, je le prononce super mal, je pense. Mes Pas de excuses. soucis. On jouera contre Svanen, Kilki, Kilburn. Kilburn, ouh, hein, connu celui-là. Et Ouais. j'ai pas eu le temps de lire, tant Moi pis. non plus. Tant pis, non mais. J'aurais pu regarder sur le retour stream, mais. Jens C'est assez Svanen, rapide. Kilki et Kilburn. Qui feront face donc à Keo, Mantos, Bex et Mania. Bex qui aura fait presque toutes les runs. Bex Enfin, qui extrêmement en aura solide. fait deux, Il aura fait le vraiment. 3v3 et le 4v4, puisque le C'est joueur ça. du 1v1 ne peut pas jouer le 3v3. Voilà. Bex qui a eu un début de map un peu étrange d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il a accroché un bout de bordure. On a perdu quelqu'un. Quelqu'un a choke. Je n'ai pas vu qui. Attends, je vais te dire ça.
c'est Maniakelis qui a choke. Ouais. Ah, Kilki qui touche également, il perd un peu de vitesse. Oh, on a un choke de nouveau. Du côté des... On a perdu Bex, du coup. Ah, il reste plus que Kyo en ligne. Killbird. Killburn, pardon, excusez-moi. Avec Chaos, Vanen, Mantos et Kilki sur le peloton de tête. Et là, c'est warm-up ou live? Et Yem, non, c'est live, c'est live. Ah merde. Donc voilà, une large domination de l'équipe bleue. Premier point qui reviendra à Q. Mais ça tu me diras, c'est ce qui s'est passé sur, sur le 3v3 aussi. 46-5, ça roule bien. C'est plutôt pour prendre un Killburn, 40... celui que t'avais annoncé, hein, de toute façon. 46-5, c'est plutôt un montant. Et nous sommes partis sur ce deuxième round. Du 4v4 en faisant Cyborg à Q. C'est une map assez étrange parce que... en fait, c'est des petits drifts que tu dois faire. Il y a beaucoup de sauts qui déclenchent des autodrifts et c'est très très facile de perdre de la vitesse. Maniakelis qui a un peu moins de speed, qui tente en inter et qui est très externe et qui choke. Aïe. En tête, on a Keo et Bex qui mène la barre, mais on a 3. Mantos aussi. Ah oui, Mantos, je ne le voyais pas, effectivement. Ah, c'est le parce pauvre. Que le retour CP n'est pas à jour. Ah, Keo, il y a eu des touches. Keo qui tente le safe finish et Kilki qui. Oh, c'est terrible de finir comme ça. Ah, j'ai pas suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Maniakelis qui finira quand même. Mantos en premier, Yem deuxième, Killburn. Sixième, il a marqué 6 points. Troisième, okay. Keo, Bex, Zvanen, Maniakelis et Kilki. Donc pour l'instant, un partout. Un partout dans ce dernier round. Aïe. Nous allons suivre un peu Mania, histoire d'avoir une vue globale de l'ensemble. Une vue globale de l'ensemble, bien sûr. N'hésitez pas à relever toutes ces imperfections de langage. Ouais, Caillou, il reste dans l'en... Ah, il remonte, il gratte, il repère. Mantos solide, hein. Oui, oui, clairement. Mantos extrêmement solide. Ouais, quel map il a train, hein. En fait, tu vois, c'est ça qui est marrant avec Mantos, c'est qu'au départ, on disait, bah, on sait pas où on va le mettre, parce qu'on sait pas s'il est... Parce qu'il dit lui-même qu'il est pas aigu. Et pourtant. Et je lui dis, ça te dit de tryhard cette map? Et du coup, bah ça se voit. Oh voilà. Mantos, Keo et Maniakelis. Maniak qui a réussi à aller voler une troisième place. Très beau run. 46-5. 46-6. C'est très serré sur le podium finalement. Hein. Il a arraché la jarretière du bout des dents. On a des très beaux runs parce qu'en termes de temps, on tient dans à peine 3 dixièmes. Oh oui, non. C'est pour le coup. Pour l'instant, c'est Damier. C'est Bex qui tient l'arrière du peloton pour l'instant avec Mania. Killburn qui est en tête avec Keo et Kilki. Mania qui est passé très proche, il a safe, il a ralenti pour ça. Il a préféré ne pas toucher et prendre encore Keo plus de retard. Ouais, Keo qui est loin devant, il a pris une bonne avance et beaucoup de vitesse dans le virage d'avant. Bex et Mantos un peu en retrait. Derrière, il y a... Kilki, Svanen, pardon, excusez-moi. Oh, il y a eu de la touche, il y a eu de la casse, qui s'est passé des choses. Et donc du coup, miraculeusement, c'est... Et ça fait un damier. Déjà et... avantage pour, c'est un damier pour les cyborgs. C'est un damier à l'avantage, effectivement. Parce qu'on a brisé le damier, d'ailleurs. Oui, juste à la fin, je l'ai vu. Et donc 3-1 pour Cyborg. Dans ce dernier 4v4. Ensuite, on fera une petite pause, je ne couperai pas le live, puisqu'il est 17h et dans moins d'une heure, on jouera le match suivant. On fera un break, on fera un petit débrief, et ensuite, on reviendra pour le match entre Cyborg et Felon... Excusez-moi. Entre Cyborg et Felon 9. Maniakelis, il y a un inter dans cette trajectoire, mon dieu. Je sais pas, il a dû se faire peur, mais très belle trajectoire qui lui permet de revenir dans l'eau du plateau. Et qui choque sa fin. Terrible. Une fin très difficile. Svanen, Svanen extrêmement solide.
46, oui, clairement. 46-4, c'est un très bon temps. Pimentos qui lui collait au fion. Non, c'est beau. Ah, 46-52, c'est... Non, non, ça joue bien, hein, ça joue vraiment bien. Mmh. On sent que tout le monde a bien travaillé ses maps. C'est plutôt pas mal. Et nous sommes partis 1-4. Tout, on est là pour l'amour du sport, évidemment. Kiki en tête, Mantos et Keo qui sont dans le peloton de 7ème qui sort avec beaucoup de vitesse de ce départ. Et qui accroche l'intérieur du virage. Du coup, il laisse l'ouverture à Kiki qui accroche le podium avec Keo et Mantos. Kiki qui est un peu trop serré et qui du coup a perdu l'adhérence. Bexy revient, d'outre-tombe. Bex, hein, le seul joueur des Pays-Bas de notre équipe. Ce n'est pas un faux drapeau. Ah, oh, Kiki qui choque sa fin, c'est tellement dommage. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement dommage, bon, parce bah, qu'il avait vraiment, rouge, hein. Il avait vraiment été ultra solide sur, ce, sur sa fin. Un très beau podium. 46-6 pour Mantos qui ouvre le bal. 46-8, 46-9, 47-17 pour Mania. 5-1. Ça fait 1-5. On a décroché, je crois qu'on a perdu Maniac Ellis au départ. Non, c'était Yem que j'ai vu décrocher, excusez-moi. On a perdu quelqu'un ici aussi à l'intérieur du virage. Sinon, KO Mania... et Mantos, KO Mantos en tête. Avec Svanen qui accroche et Kilki aussi. Bex un petit peu en retrait, il attend une attaque. J'essaye de le trouver, il est là. Et il a du choc quelque part. KO, très solide sur ses runs. Ah, oula, il y a eu un Mantos qui est... Mantos, peu, extrêmement hein. Solide. Oh, et là, c'est beau ce qui... 46-3 et bah voilà. Bah écoute. C'est ce qu'on voulait. 46-398 sur un temps régulus, c'est bien. C'est un très beau temps en Kiki, avec un 46-6 également... Excellent, très beau travail. 6-1, potentiellement le dernier round de ce match. Départ un peu acrobatique, faut faire très attention à ce virage. Éviter de perdre trop l'adhérence. Oh, on a perdu quelqu'un, je crois que c'est un Q qui s'est décroché dans le poteau. Et il y a Bex aussi qui a décroché, non? Non, il est juste derrière le peloton de tête. Il y a Mantos, Keo et Maniac Ellis extrêmement solides à l'avant avec Hilbert, Bex qui est juste en retrait et Kilki qui arrive avec beaucoup de vitesse. Qui essaye d'attaquer et de grid un petit peu pour essayer de rattraper l'avance. Pas vraiment le choix non plus. Ses adversaires. Keo extrêmement solide. Hein. On sent qu'il a un petit peu travaillé sur la map quand même. Hein. Et Maniac qui va décrocher même la deuxième place devant Bex sur un vol incroyable. GG à tous. Et donc c'est une victoire de Cyborg, 7-1, 7-3, 7-1. 7-1, oui. Ce qui nous fait 7-14, 21, 5. 21-5, et bah... J'ai ma foi, quelque chose, un score plutôt honorable au Cyborg. Eh bien, ce fut tout à fait acceptable. Ça se joue à pas grand chose à chaque fois, mine de rien. Et oui, en fait, c'est ça qui peut être frustrant dans ce format, en fait, c'est que en termes de rounds, les rounds sont extrêmement, enfin, sont assez closes. Mais effectivement, la différence se creuse très vite. Du coup, eh bien, c'était le match contre Q que nous venons de voir, avec une victoire de Cyborg 21-5. Avec la victoire sur le 1v1, le 2v2 et le 3v3. Et le 2v2, le 3v3 et le 4v4, du coup, à la suite. Win. Et nous allons aller débrief rapidement. Et on revient dès que le match de Fallen 9 arrive. Ne vous en faites pas, c'est imminent puisqu'il reste à peu près 40 minutes. Alors. Je sais top. Alors. Et du coup, alors déjà merci à tous ceux qui sont ici, qui sont restés. Ne partez pas si vous voulez voir le match suivant.
puisqu'il commencera dans 40 minutes, comme je vous l'ai dit. À ceux qui s'en vont, merci d'être venus. Et à tout à l'heure.